c'est qu'il est rageux. J'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de House Flipper dans le bunker, hein, j'ai envie de vous dire. Il y avait le fameux bunker avec mamie. Alors, avant que cet épisode démarre, j'imagine que vous êtes là en train de faire... Qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux, elle, sans déconner ? Michel, viens voir. Donc du coup, en fait, pas de panique. C'est juste que là, les beaux jours sont en train d'arriver. J'avais envie de changer de cheveux. Donc c'est juste une wig, tout comme celle, la rose que j'ai ou la blanche. Voilà, c'est juste voilà, que j'avais envie de changer de couleur de cheveux. Auréo s'incruste dans le décor, bonjour. Donc les amis, on se retrouve sans plus tarder sur la game. Hein, on va démarrer maintenant. Je vous remercie infiniment. J'ai lu vos commentaires, les amis. Toujours l'engouement autour du jeu, ça fait grave plaisir. Mais j'ai lu vos commentaires aussi. Vous me disiez, Kiki, tu peux acheter des maisons grâce au moteur de recherche qui est juste ici. Et oui, voilà, je ne j'avais pas vu effectivement, j'avais pas prêté attention au fait qu'il y avait un moteur de recherche et qu'on pouvait acheter une baraque. Par contre je suis un peu choquée parce que là je vois les prix, je n'ai que 51 000 et voilà, j'ai que 55 000 et quand tu vois le prix des maisons, Casa de Comerciante, la maison qui cache quelque chose, genre il y a un cadavre dedans. C'est-à-dire que l'intérieur est très moche, ah ça par contre j'aime bien. Vous me connaissez un petit peu, les codes couleurs comme ça, j'aime bien. Donc je me demande si je vais pas continuer d'économiser pour pouvoir me payer la maison que je souhaite. La maison de Samartha Myers. Alors Myers comme Michael Myers. Une belle grande maison dans l'arrière, payée à vendre. Un coup de chance pour les personnes qui apprécient le silence, la paix et qui veulent se reposer du bruit de la ville et la compagnie d'autres personnes. Pensez-y uniquement pour vous, votre maison et la nature qui vous entoure. Je sais pas si c'est... Je peux même pas... Ah si... Oh là là, c'est mal fait. Ah d'accord. A été abandonné il y a de nombreuses années, c'est site une refonte complète. Nous conseillons aux superstitieux de ne pas l'acheter. Ah, est-ce que ça ne serait pas quelque chose en rapport avec Michael Myers? Bon, j'irai checker sur internet au moment du montage, du coup je pense que là j'aurai la réponse et je vous l'aurai affichée. Mais ça se trouve c'est en rapport avec Myers. Donc bon, la maison de la famille nombreuse... Ah mais ils nous ont... Maison inoccupée? Bah en fait, attendez, ils nous ont mis des maisons en fait hyper connues. La maison des jeunes mariés, le royaume rose, vieille maison avec bunker, neuve inachevée, garage avec bunker, la maison de la femme lunatique, ça fait très peur. Casa des commerciantes. C'est trop si... Je crois que ça, c'est en rapport du coup avec... Ah mince, comment ça s'appelle? Cette série très connue, Breaking Bad. Je vais directement aller dans la fameuse maison, vous savez, avec le bunker. Et elle était assez rigolote, on va pas se mentir. Donc, chantier nettoyage, c'était laquelle? Bunker habitable, c'est ça? Ouais, ma chère belle maman, on va accepter ça. Oh mon dieu, oh le retour des cafards. C'est ça, mon dieu, c'est de retour. Bon, allez, c'est parti. On se rappelle de cet épisode, hein. Alors, tu dois encore attendre, ok. Il a parlé d'un bunker, alors à moins que le bunker se trouve... Ah oh, qui a ça? Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez quelqu'un de votre famille, un proche, quelqu'un qui a ça. C'est terrifiant. Les toilettes comme ça en moumoute, on dirait qu'on a foutu le tapis sur les chiottes. C'est terrifiant. Ah, ça me terrifie. Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez des proches comme ça? Non, je pense que ça doit être en bas. Je pense que ça doit être ça. Vous voyez, il y a des... Ouais, j'ai l'impression que c'est en bas. Allons-y. Ah, bah, ah, je suis sûr que c'est ça. Ok. On va passer juste un petit coup de balai avant. Que ça soit un peu propre au moins, parce que... Oh là là, ça va être d'une laideur. Ah, ah, les toiles d'araignée, on peut aussi les virer? Excellent. Oh, il veut faire habiter sa belle-maman dans ça? Oh mon dieu. Il veut faire habiter sa belle-maman dans ça. D'accord. Si je fais comme ça, ça passe bien ou pas? Oh d'ailleurs, histoire vraie, ce week-end, les amis. Je vois mon chat qui est en train... Vous savez, je vois une fourmi classique. Une fourmi chez moi, je me dis, bon, une fourmi chez moi, un peu bizarre, mais bon, why not? Et en fait, je vois mon chat contre la porte qui commence à taper. Vous savez, par terre, avec ses pattes, il fait des petits sauts, il tape. Oh, une invasion de fourmis. En fait, dehors, il y a, je sais pas quoi, il doit y avoir un nid ou quoi que ce soit. C'est passé dans le couloir et après, c'est rentré chez moi. Et il y avait plein de fourmis. Ah, oh, c'était un bordel. Un bordel, il a fallu que je fasse tout, que j'aspire, que je mette du sel, parce que j'ai vu qu'en fait, le sel, et ben c'était apparemment, c'était bon pour enlever les nids de fourmis et tout. Alors j'ai fait un petit barrage devant chez moi pour pas qu'elles passent. Du coup, elles sont pas passées. Et du coup, là, faut que je regarde. Là, j'en ai plus eu chez moi, mais bon, la surprise. Je vous laisse imaginer la surprise, les amis. Attendez, il veut vraiment faire habiter sa belle-maman dedans. C'est complètement... c'est terrifiant. On va passer comme ça, on va pas s'emmerder. En plus, on a pas mal de... Oh, mais on a eu une mise à jour, effectivement, ce week-end du jeu. Et on a une nouvelle interface.
C'est nice ça. On a une nouvelle interface, c'est top. C'est quoi l'arme ici? C'est genre pour tuer belle-maman? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Nettoyer les salissures, placer l'objet turbine génératrice d'énergie. What the fuck, turbine génératrice d'énergie? Oh là là. Ça doit être ça ici, non? Non, bah monter les équipements. Quel équipement? Tu peux mettre des toilettes ici. Dévisser. Oh là là, on va avoir des choses à faire, hein, je vous le dis. Mais la turbine, je la fous. Oh, ça va être nimbre, je le sens. Ah ouais, là, c'est censé être sa douche. Oh mon dieu. Mais c'est horrible. Il lui laisse tous les bidons et tout. Mon dieu. Attendez, tenez mamie. Comme ça, vous allez pouvoir avoir tout ce qu'il vous faut auprès de vous. Voilà, impeccable. Regardez-moi ça. Du riz. Regardez-moi ça si c'est pas bon. Plein de bonnes choses comme ça. Plein de vitamines. Plein de choses bien bonnes. Pour la santé. Oh. Mais t'imagines la tête de la belle-mère, genre tu la regardes et tout, tu fais... Elle arrive, tu sais, avec ses valises, elle croit qu'elle va prendre la chambre du haut, et là tu la regardes, tu lui ouvres la trappe du garage, et là elle comprend qu'elle va aller en fait en bas, qu'elle va vivre en bas. Mais c'est terrifiant. Placer meuble à étage suspendu. Mais non, on va le mettre bien haut. Meuble à étage suspendu, à étagère suspendu. On peut le mettre grave haut. C'est horrible. Placer lit superposé. Mais non. Lit superposé, mais elle va dormir avec qui, mamie? Avec son chien? On va mettre là, comme ça, elle pourra... C'est horrible. Plaque à induction. C'est horrible ce que je fais. Aucun respect. Hop. Ah, le démon est là. On entend Oreo. Le démon. Ah là. Placer objet de table simple. La table, on peut la mettre comme ça. C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. C'est bien, j'ai le retour écran, du coup je peux voir quand il fait des conneries. Je le surveille sur le retour écran. Et bah voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Super. Ensuite, tu peux acheter évier à installer. Et bah on va poser les éviers. C'est hyper important. Évier à installer, c'est parti. On pose. Très rapide à installer. D'ailleurs, l'autre coup, au premier épisode, je crois que c'est dans le... Est-ce que c'est dans le premier épisode que je refaisais mon appartement dans le jeu? Je crois. Et ben dans le premier épisode, en fait, je me mettais à faire l'appartement et j'avais posé un évier. Et je me suis aperçue en off, mais des jours après, hein, que en fait, j'avais pas fait l'installation de l'évier. Et quand j'ai ouvert les portes, les tiroirs classiques, en fait, il y avait plein d'eau qui coulait. Bravo Kiki, bravo. Le professionnalisme, hein, le professionnalisme. Ça c'est vraiment... Attendez, je peux monter sur le lit? Ah bah forcément, je peux plus monter sur le lit. Je sais pas ce que c'est. Bon bah laissez la tâche, hein, c'est pas grave. Hein. Tant pis. Hein. On va passer un petit coup de balai. Voilà, impeccable. On clean tout. Hop. Voilà. Ah mais je suis pas à la perfection. Hein. Il me manque. J'ai juste une petite tâche. Mais tant pis, c'est pas grave. On s'est fait combien? 10 000 balles. 10 000 balles pour mamie. On a mis ça n'importe comment. Oh, c'est honteux. On a mis ça n'importe comment. C'était honteux. Oh, super, on a même... Oh, c'est sympa, la TH, il est super. Négociation pour les prix à négocier, top. Ah, ça nous met des petits points maintenant, homme à tout faire. Pose de carreaux et de lames de parquet 50% plus rapide. Montage 50% plus rapide. Ah bah voilà, ça peut être pas mal. On va mettre ça, et là, on a encore un point. Exigence du chantier, salaire pour le chantier. Augmentation de 5% des chances de négociation favorable. Salaire du chantier plus 50% quand même. Hein. Allez, on va mettre ça. Oh, je peux pas faire un prêt, s'il vous plaît? Allez, on peut bien faire un prêt. Oh, la gueule de la maison. Genre, l'annonce, ils ont pas honte, hein. Ils ont pas du tout honte de mettre une annonce comme ça. Attendez, c'était écrit quoi sur ma maison que je puisse savoir, du coup, quand elle avait été vendue C'était ça? Non, attendez, si posséder, c'est ça. Au début, cet endroit servait à ranger des outils, puis il a été emménagé en appartement provisoire. Ok. Mais il est dégueulasse, cet appartement, tu le sais? Il est dégueulasse. Du coup, on a un nouveau truc, hein. Je n'y connais rien, des rénovations, j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté une grande maison qui doit être entièrement rénovée, malheureusement mon mari m'a quitté, j'ai récupéré les enfants et je n'y connais rien en rénovation, ni même de nettoyage. Il est possible que je vende cette maison, mais pour faire un bénéfice, il faudra au moins que la maison soit habitable. Je sais pas ce que c'est, ça je sais toujours pas les amis, si vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous savez ce que c'est en fait ça. Parce que je sais pas ce que c'est en fait, acheteur. Acheteur de quoi?
Bon, du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en attendant que ça vous aura plu. On va essayer de ne pas... Voilà, de pas chômer hein, pour acheter cette maison de Myers. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle est à 200 000 et quelques. Je pense qu'en faisant quelques chantiers, ça va passer assez crème. Je suis déjà à 71 000. Donc, ça va assez vite quand même. Je crois qu'on a fait que 3 parties de House Flipper en tout, en vidéo. Et pourtant, on est déjà à 71 000. Donc, les amis, en attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à ce soir pour un nouveau live à partir de 21 h. Et à cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Ciao.